Ok, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très... tous très bien. <laughs> en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvelle, cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons euh, du coup faire ce qu'on n'avait pas terminé la dernière fois, on va travailler sur euh, Unity Dots, on va essayer le euh, tout simplement de voir si le système fonctionne. Alors je peux vous dire que j'ai fait des tests hein, en privé et je pensais pas que ça allait marcher euh, aussi bien. Hein. Euh, du coup c'est vrai que j'ai plutôt pas mal craché dessus mais je vous avoue que c'est vrai que ça marche plutôt bien en vrai il ya juste quelques petits problèmes comme le fait qu'on peut pas convertir la caméra totalement pour en faire une une entité ça doit rester un game object malheureusement et' quelques systèmes comme l'audio et les animations mais euh, bon je on verra ça un petit peu après alors j'ai des problèmes de lumière tout simplement parce que là j'utilise forcément le je suis dans mon studio donc euh... Voilà, des petits problèmes de lumière. Euh, alors, j'ai la possibilité d'allumer les lumières, mais ça serait con cool d'allumer des lumières en, en pleine journée. Et c'est surtout, bon, bah là, j'ai pas trop le choix avec le soleil. Euh, donc, <laughs> j'espère que ça va vite bouger. Ok, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Alors, tac. Alors, la dernière fois, on avait installé Unity Dots. Alors, voilà, on l'avait fait dans le... Moi, je l'avais fait dans le projet Twitch Dots. Alors, normalement, si vous avez bien tout installé, le projet devrait fonctionner à merveille. Oui, je fais plein de, de petits tests. J'ai trouvé des tests aussi, des choses à, à essayer. Euh, on va... Alors, Twitch Dots, 3 jours. Quoi Ça fait déjà 3 jours Je m'en rends même pas compte. Euh, bah, écoutez, on va retourner dedans. Alors, lui, j'avoue que je vais le supprimer parce que je... c'est l'ancienne version de celle-ci. Il Faudrait que je... Je teste. Alors moi ce que j'essayais de faire avec Dot c'était un shooter pour voir si je pouvais vraiment faire spawner genre euh, 10 000 ennemis avec des jauges de vie et, et voir un petit peu les perfs et faire la même chose avec, euh, avec Unity Vanilla sauf que je n'ai pas eu de, de résultat. Le résultat que je voulais. Dans Le sens que euh, bah, ça ne marchait pas euh, pour une raison très simple, c'est que euh, bah, dans Unity Dots, normalement lorsqu'on va créer des entités, on va se baser sur les préfabs bien entendu, mais il y a la conversion qui est plutôt lourde. et En fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment euh, faire spawner des entités sans faire la conversion pendant l'exécution du jeu, alors que bah, là forcément je suis obligé de le faire. Alors que quand je suis sur Unity GameObject, j'ai juste à instancier toutes mes, tous mes GameObject que je planque en arrière-plan et après je les fais spawner là où je veux euh, et je les ai réactive Mais dans Unity, dot, euh, et bah du coup je ne peux pas faire ça enfin euh, jusqu'à maintenant tout ce que j'ai vu c'est que les gens justement euh, faisaient plutôt spawn des game objects avec des backers, donc des, des composants auto et, euh, et du coup voilà, ils font spawner des game objects mais ils se transforment en entities, mais le truc c'est que ça, ça coûte en performance, donc euh, je voulais savoir un petit peu comment faire spawner plein d'entités d'un coup euh, basées sur une préfab, mais euh, l'ancienne méthode qui consistait de passer par l'entity manager. Euh, je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne. Et surtout, avant, on pouvait aussi créer ses propres archetypes. Sauf que, ouais, depuis la version 1, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est pour ça que là-dessus. Euh voilà, je n'ai pas trop de, je n'ai pas trop changé. Alors, enfin, euh, je n'ai pas trop, euh, je n'ai pas pu trop avancer dans mes projets perso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire vraiment un petit stream où on va faire quelques bases, mais on va pas faire exceptionnellement des, des gros trucs. Euh, on va pas, voilà, on va pas faire des des projets de dingue. Hein. Donc euh, comme euh, normalement, si vous avez suivi le tuto que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur cette chaîne en rediffusion, normalement, euh, je ne sais pas comment je vais gérer ça d'ailleurs, parce que euh, j'avoue que quand je les mets sur, euh, sur YouTube, euh, je vous mets les timelines, et en fait, euh, je me dis, c'est peut-être mieux pour vous. Que Je les enlève des rediff Twitch et que vous allez sur YouTube, c'est beaucoup plus simple. Enfin, voilà. Par exemple, là, j'ai juste mis les timelines. Bon, il n'y en a pas non plus des masses. Hein. C'est juste euh, voilà, euh, explication, installation et test. Enfin, des trucs comme ça. Euh, voilà, c'est euh, si jamais euh, vous allez des timelines sur YouTube, euh, sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, aussi, oui, là, j'aurais mis alors, je vais avoir renommé un petit peu le. Le, le projet c'est-à-dire euh, je l'ai appelé enfin euh, le le stream je l'ai appelé alors la vidéo YouTube aussi je vais l'appeler la même chose je l'ai appelé unity.ecs pourquoi parce que je sais pas pourquoi trop mais je pense que la plupart des gens euh, surtout ceux qui cherchent à savoir comment fonctionne unity. sont cherchés sur internet mais quand ils tapent unity. ils vont tomber sur des projets ou des vidéos YouTube mais qui n'ont aucun rapport avec l'ECS, tout simplement parce que en fait comme je vous l'ai dit dot c'est un composé de package donc l'ecs le burst compiler et job system et en fait, de ce que j'ai vu, la majorité des gens, euh, ce qu'ils appellent Unity DOTS, c'est le Job System avec le Burst Compiler, mais ils ne testent pas spécialement le CS. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais appeler ça DOTS CS, histoire que ce soit bien clair, euh, parce que euh, voilà, nous, on veut utiliser le CS. C'est justement tout l'intérêt. Euh, bon, allez, c'est parti. Normalement, si vous avez bien fait euh, votre projet comme il faut, bon après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais normalement, voilà, vous avez un dossier script avec trois dossiers vides, donc Autorings, Component et Systems. Et on va commencer tout de suite avec l'autoring. Alors non, 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 on va, composer, on va commencer tout de suite avec le composant. Alors le composant, c'est un C sharp script, hein, donc on va l'appeler. Euh, donc là, on va stocker la vitesse de rotation de nos cubes. Donc on va l'appeler euh, rotation euh, speed component. Alors je vous conseille toujours que si vous faites un composant, un autoring ou autre, mettez-le à la fin, parce que si plus tard dans un code, je sais pas, par exemple, vous appelez euh, euh, un truc euh, alpha entity euh, et que vous l'appelez du coup alpha entity vous avez un component mais que vous voulez euh, stocker la logique ailleurs et que vous l'appelez alpha entity aussi bah vous allez forcément avoir conflit de nom. donc je vous conseille toujours de quand vous créez un composant tout simplement de mettre composant à la fin c'est beaucoup plus intuitif et ça vous évite de vous perdre euh, dans votre propre code euh, surtout bah, sur le long terme et ça évite les conflits de noms parce que là vous êtes sûr c'est la version composant de votre rotation speed euh, voilà Bon, de toute façon, nous on va pas faire 36 000 trucs. Alors, déjà, on supprime tout, hein, comme vous avez pu le voir. Et là, à l'intérieur, je vais mettre struct à la place de classe. Et ici, je vais implémenter euh, l'interface iComponentData. iComponentData, c'est tout simplement un composant non-managé. Donc, ça veut dire que ça sera à nous de faire la gestion de mémoire plus tard mais c'est un composant non managé donc ça veut dire que voilà euh, de base il n'est pas éligible au multithreading mais c'est pas un problème non plus enfin vous verrez il existe différents types de composants pour le moment on va faire le high component data on essayera aussi le, euh, le high shared component data même si je vous cache pas que vu que je n'ai pas vraiment résolu mon problème voilà de, de, de spawn d'entité de masse euh, je ne sais pas du tout comment attribuer du coup un high-shared component data euh, parce que forcément il faut vu que c'est une donnée par il faut que tout le monde l'ait utilise le même composant, mais je n'ai pas encore trouvé comment. Donc euh, bon, parce que moi de ce que j'ai vu, si je change mon iShare Component Data, bon on fera des petits tests après, vous savez quoi. Mais euh, déjà on va commencer par euh, bah, voilà faire notre truc et maintenant on va mettre que des infos. Vous ne mettez pas de fonction ou quoi que ce soit, vous mettez que des infos. Euh, vraiment n'écrivez aucune fonction à l'intérieur. Donc euh, ce qu'on va faire, alors d'ailleurs ce que je vous recommande. Quand vous faites de l'ECS, parce que forcément il y a un moment où il faudra mettre des fonctions, ne faites pas de fonctions normales, faites des fonctions statiques. Ça sera toujours mieux que faire des fonctions dans votre truc parce que sinon on perd plein d'intérêt en fait le l'ECS justement. Euh, donc je vais faire public float, euh, rotation, alors ça c'est ouf quand t'as une main qui écrit plus vite que l'autre. Rotation speed, y, voilà, comme ça, et c'est tout. Voilà, je viens de créer un composant. Euh, je vous avoue que moi, je vais faire pareil pour x, y, z, ça va être un petit peu marrant de le faire tourner euh, comme on veut, notre cube. Hein. Donc voilà, je me fais quelques, quelques petites variables. Alors, je vous conseille toujours, faites les scripts dans Unity pour que, voilà, il soit content euh, lorsqu'il va faire la recompilation, détecter les scripts, euh, pour qu'il crée aussi les fichiers méta, parce que je pense que vous avez remarqué, mais dans votre euh, dossier de projet Unity, vous avez toujours le nom du script ou un dossier ou autre. Euh, et vous avez l'équivalent du nom avec point meta à la fin, c'est pour Unity, c'est une mise en cage pour naviguer plus vite. Donc euh, passez toujours par l'éditeur, je vous le recommande. Maintenant on va pouvoir faire de l'autoring. Maintenant qu'on a le composant qu'on veut attribuer, justement, on va pouvoir commencer. Donc je vais l'appeler Rotation Cube. Euh, autoring. Voilà. Comme ceci. Donc si vous ne voyez pas ce qui est écrit ici, hein, regardez dans l'inspecteur euh, là. Hein. Donc là, vous voyez bien rotation cubotoring. Eh, c'est vrai que j'ai pas installé de logiciel pour euh, zoomer sur ma souris, ça aurait été ouf. Euh, ouais, faut vraiment que je me note ça pour que je puisse vous montrer en live euh, zoomer sur des endroits. Donc là, maintenant, on va enlever. Alors, euh, mince, non, 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 je fais n'importe quoi. On va juste enlever toute la logique à l'intérieur et on va juste changer un truc. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une variable. Pareil, donc on va l'appeler euh, rotation. En fait, je vais l'appeler exactement comme euh, mes variables dans mon composant. Et en fait, c'est euh un moyen qui va nous permettre de directement sur le game object de modifier les données de, nos de notre composant et en fait ces données ensuite on va les donner à notre composant en fait mais grâce à ça on pourra directement depuis l'éditeur modifier les variables plutôt que les attribuer dans des scripts et ensuite il y a deux manières de faire alors il y a des gens ils préfèrent mettre les classes à l'intérieur donc moi je vais je vais le faire comme ça juste pour la démo par exemple on va faire public class euh, du coup je vais l'appeler rotation cube et là je vais l'appeler baker pas autoring à la fin, je vais mettre deux points et je vais implémenter la classe Baker qui va me demander un type. Et en fait, le Baker, qu'est-ce que c'est C'est ça, justement, c'est cette classe qui va faire la transformation du GameObject en entité et du coup bah dans le baker je dois lui dire quel game object je veux transformer enfin pas le game object mais le composant euh, qui me permet euh, qui sur lequel est accroché euh, voilà le non je vais reformuler euh, le quel game object je dois convertir sur lequel est attaché le composant donc là en l'occurrence on, quand on attachera rotation cube autoring on veut que ce soit le game object sur lequel est attaché ce script qui soit converti donc ici je vais mettre rotation cube autoring voilà donc là, je fais ma classe et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire Donc moi, je vais passer par le raccourci. Ici, on voit qu'on a une erreur. C'est normal. C'est parce qu'on doit implémenter une méthode. Et donc justement, c'est ce que je vais faire. Hop, implémente abstract class, euh, abstract méthode. Voilà, je supprime le, le, le straw exception, on n'en pas besoin, <laughs> c'est logique. Et ensuite, directement dans cette fonction, vous avez accès à plein d'autres fonctions comme add component, euh, del component, euh, get component, euh, set component, euh, voilà, enfin vous en avez énormément. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le add component. Donc je prends add component, j'ouvre les parenthèses. Et ensuite, ce qu'on va mettre dans notre add component, c'est new. Et ensuite, on va créer notre composant. Donc nous, on l'appelait rotation. Alors oui, il j'ai une main qui écrit plus vite que l'autre. Et il va falloir que je me traîne. Et ensuite, à l'intérieur, voilà. Alors, pas de constructeur. Hein. Vous ne faites pas de constructeur pour vos, 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 votre struct. Hein. Donc, du coup, on va devoir l'initialiser à la main, cette, cette struct. Et du coup, ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est rotation speed x est égal. Voilà, donc auto ring. Donc, forcément, ici, c'est notre composant ici. Donc, on récupère les valeurs. Donc, là, auto speed. Donc, c'est cette valeur qu'on accède là. Et on fait pareil pour les trois. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu euh, accélérer, enfin, euh, faciliter surtout la modification de valeur depuis l'éditeur. Alors, je vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça parce que là, on en parle, mais on ne le, on le fait pas vraiment. Alors, hop, on attend qu'Unity soit heureux, voilà, 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 allez, 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 allez. Euh, Donc, on attache notre composant et là, vous voyez que j'ai bien la possibilité de modifier mes valeurs depuis l'éditeur. Et surtout, bah du coup, là, j'ajoute bien le composant, donc... On peut voir que dans l'entity baking preview, donc ça veut dire le game object quand il sera transformé en entity, voici tous les composants que ça donnera. Donc là, forcément, il y a du rendu, il y a la box collider. Bon, la box collider, on va l'enlever parce qu'elle ne sert à rien. Vous voyez que ça a enlevé quelques composants déjà, euh, mais c'est surtout que là, on n'en a pas besoin pour cette démo. Là on peut voir que hop oh bah, tiens on a notre rotation speed component et si je l'enlève le composant enfin euh, le, 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 le script mono vous voyez que hop le composant a disparu. Voilà donc notre script fonctionne, ça grâce à ça on peut le voir. Et donc là vous voyez qu'on a nos valeurs et là par exemple si je change, vous voyez bien que nos valeurs changent aussi. Donc moi ce que je vais faire c'est que euh, je vais lui dire en vrai je vais pas prendre de valeur de base, je voulais que ça soit généré un peu aléatoirement. Euh, donc du coup ce que je voudrais faire, alors je ne sais pas s'il y a des vecteurs tout. Ouais, il y a des vecteurs tout. Enfin, j'allais... Non, c'est pas que je savais pas qu'il y en avait pas. C'est surtout que je voulais savoir si l'éditeur allait le supporter. Euh, et ensuite, ici, on va convertir ça autrement. Donc, on va faire random.range. Oui, alors, je suis passé en QWERTY parce que euh, mon clavier AZERTY commençait à m'énerver. Surtout pour la touche A et Q et... Euh, non, la touche oui, A et Z qui sont trop euh, espacées. Surtout pour euh, voilà, du dev. Hop, et on va faire autoring donc du coup, ah mince, ben c'est vrai que je l'ai copié en fait. Voilà. Point speed. Point. Et donc là, il va me falloir la première valeur. Alors je sais même plus. Alors je sais que on peut récupérer les valeurs des composants euh, des vecteurs euh, comme ceci aussi. Euh, mais je vous avoue qu'on va passer par l'ancienne méthode. Point x. Voilà. C'est. Je sais pas pour pourquoi, mais euh, voilà, on peut utiliser entre guillemets l'indexeur pour accéder aux valeurs de notre vecteur. Mais je vous cache pas que pour moi, c'est plus intuitif plutôt d'utiliser le x et le y. Euh, pour, bah pour la lisibilité du, du code en fait. Donc là je vais faire exactement la même chose. Bon je vais juste... Voilà, copier-coller. 8, 8. Hop là. Copier. Ah et puis aussi oui dans Visual Studio, vous voyez on a une sorte de... Ctrl Z, voilà, on a une sorte de... De, de copilote un peu comme GitHub. Bon, il n'est pas aussi puissant et performant, mais surtout parce que je suppose qu'il y a une version payante. Mais euh, bah oui, c'est Microsoft, voyons. Mais du coup, ouais, il y a une sorte de mini-système, c'est plutôt sympa. Euh, du coup, voilà. Bon, bah voilà. Maintenant, on peut utiliser nos, nos valeurs. Donc, on va aller du moins 5 au 5, tout simplement. Donc là, je vais faire exactement pareil. 5, voilà. Moins 5, 5. Hop, je sauvegarde et là dans mes composants on peut voir qu'il m'a bien généré une valeur aléatoire. Et un truc, petit petit truc pratique, c'est que là par exemple je peux faire close. Donc là vous voyez qu'il m'a mis mes, mes entités, il me les a convertis. Donc là j'ai bien mes entités dans ma sous-scène. Et donc là on va avoir notre composant qui est ici. Donc là il a généré des valeurs aléatoires. Et si je fais import ah oui, alors il faut renaviguer là-dedans. Hop, prime porte. Normalement, il m'a généré deux nouvelles valeurs aléatoires. Voilà. Donc, petit truc. Voilà, si vous voulez tester plusieurs configs, plusieurs choses, euh, très pratique. Euh, bon, toi, on s'en fiche. Euh, maintenant. Voilà, donc maintenant on peut lancer juste pour voir, mais ça ne fera rien. Parce qu'à l'heure actuelle, notre cube, il a juste des données, mais on lui a pas donné encore de comportement. Et on voit qu'on a bien nos valeurs ici qui sont générées aléatoirement. Alors vous voyez que quand je démarre la scène, hein, les valeurs à générer aléatoirement ne changent pas. Hein. Donc c'est-à-dire vraiment recliquer -re sur re import. Ou sinon, là, par exemple, là, hop, il vient de s'éteindre. Le projet, il a régénéré. Ah non, il n'a même pas régénéré des valeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à re -import si vous voulez régénérer des valeurs. Hop. On regarde, c'est normal, on a désactivé le domaine reloading, donc euh, je crois que c'est ça justement qui relance un petit peu tous les scripts et autres, mais euh, avec Entities, on vaut mieux pas. Euh, c'est pour les perfs surtout, et euh, pour, les pour... Non, c'est surtout pour, pour la qualité de vie du dev. En fait, sinon, ça, vous allez voir que c'est relativement long. Et ensuite, on va créer notre premier système, donc pareil, on fait create, C script, et on va l'appeler euh, rotation... Euh... Bah voilà, on va l'appeler pareil, rotation cube, mais cette fois, on va mettre système. Voilà, tout simplement parce que c'est logique, c'est un système pour faire euh, tourner des cubes. Et là, c'est le système, c'est pas le composant ou c'est pas l'autoring. Voilà, donc maintenant, ici, au lieu d'une classe, on va mettre partial struct. Ça, c'est obligatoire, c'est la doc qui le demande. Et ici, on a deux façons de créer des systèmes. Alors, ça, je vais le supprimer, du coup, ça ne sert à rien. Soit on met un monobehavior, soit on met un system base, qui est un peu la version euh, pro pour le prototypage de vos jeux, mais je vous la recommande pas, ce que je vous recommande d'utiliser d'ailleurs la doc vous le dira aussi si vous voulez plutôt des résultats performants et utiles sur le long terme, c'est d'utiliser iSystem. Voilà. Donc qu'est-ce que permet iSystem C'est surtout qu'il vous permet un contrôle plus puissant et surtout on va pouvoir utiliser le burst compiler. Donc là, je vais rajouter burst compile. Hop là. Voilà, donc là j'ai rajouté le burst compile. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Alors je crois que j'ai même pas besoin en public. Donc de toute façon, vous pouvez aller voir dans l'interface, hein, on a toutes les méthodes. Donc voilà, on destroy, on update. Alors je sais plus quels sont les raccourcis dans Visual Studio pour euh, automatiquement créer euh, les méthodes. Euh, si je mets on, euh, selon ce qui détecte, on update. Ah non 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 c'est pas ça. Euh, je sais qu'il y a alors il y a une touche qui vous, permet, euh, qui vous permet ça. Ah là peut-être generate override non non plus. Bon je sais plus mais il y a une touche qui vous permet de voir les méthodes qui existent déjà dans votre interface et de les auto implémenter. Enfin vous sélectionnez ce que vous voulez. Et donc là voilà nous dans notre interface euh, ce la méthode qu'on veut qu'on veut implémenter qu'on veut qui a un comportement c'est le OnUpdate. Alors vous verrez après on utilisera autre chose mais on n'y on est pas encore. Alors euh, première chose, on va récupérer le temps, donc float, le time delta, hein, tout simplement pour que notre cube tourne en fonction de l'horloge de notre PC, hein, pour pas qu'il y ait du lag, tout simplement. Sauf qu'on va pas utiliser le time point delta time, on va utiliser système API, donc là on passe vraiment par le système dot, hein, point time, point delta time, voilà, tout simplement. Bon, en plus il me l'a autocomplete, donc je vais le refaire, voilà, point delta time tout simplement. Alors pourquoi je le mets dans une variable Tout simplement parce que si on fait du multithreading sur le très long terme, donc c'est pour ça que je vous propose enfin je vous dis c'est plutôt une habitude à prendre. Euh, le truc c'est que là on vient de faire une copie. Vu que c'est une struct, on fait une copie de la valeur. Donc là, on a fait une copie du delta time. Et du coup, ça veut dire que cette variable, on va pouvoir l'utiliser dans un autre thread. Alors que si on appelle directement système.time.deltaTime, time, on accède potentiellement à une valeur qui est sur, un, sur le thread principal et qui est déjà en cours d'utilisation. Du coup, pour le multithreading, c'est pas ouf. C'est pour ça que directement, là, on met dans une variable. Cette variable, elle a copié la valeur. Et cette variable, on peut l'envoyer dans un autre thread. Donc là, c'est juste une préparation multithreading, même si on le fait pas. Mais je dirais que c'est plutôt des habitudes à prendre qui sont plutôt pas mal. Alors, le forage, c'est vrai que j'hésite tout le temps, mais je ne sais plus si on doit coller les parenthèses ou pas. Enfin, dans les normes d'écriture de, de code en C -sharp. Bon, dans tous les cas, on va créer un tuple. Donc, je vais écrire var pour qu'il m'auto-détecte les types, mais je vais vous montrer comment on, on peut réattribuer les types juste derrière. Enfin, vous allez voir. Donc on va avoir besoin du transform, parce que c'est grâce à ça qu'on va appliquer la rotation, et on va avoir besoin de la rotation, enfin du composant. Moi, je vais juste l'appeler rotate, histoire d'aller un petit peu plus vite. Et ensuite, on rajoute bien sûr le in, et là, on réutilise système API. Alors, système API, point, et en fait, vous avez plein de méthodes. Par exemple, vous avez point with. ah non, ça... <laughs> ok, alors j'allais dire vous avez plein de méthodes, non <laughs> Alors, il faut savoir que, euh, oui, et moi, j'utilisais encore l'ancien système. Avant, vous aviez with, with all, euh, any... Euh, en fait, vous allez voir que là, on va à query, on va faire un truc simple. De toute façon, euh, je pense qu'on fera un projet un peu plus complexe dans quelques jours, mais aujourd'hui, on va rester sur du simple. Euh, là, on utilise le point query, mais il y a moyen de faire du filtrage avancé. Ça veut dire, on peut dire, moi, je veux récupérer toutes les entités qui ont ce composant. Moi, je veux récupérer toutes les, les entités qui ont le composant A, mais qui n'ont pas le composant B. Donc, c'est-à-dire, si une entité a le composant B, et eh ben, elle ne sera pas récupérée dans notre boucle for each, et ainsi de suite. Alors pourquoi là est-ce qu'on passe par une boucle forage d'ailleurs C'est parce que justement les systèmes, contrairement à l'appel de méthode qui se fait directement euh, bah, du coup, avec la classe et ses propres variables, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une array... C'est rapide, c'est ultra rapide les, les arrays. Et euh, justement, c'est de ça qu'on profite en fait. Au lieu de faire ce qu'on appelle euh, un modèle orienté objet, on va utiliser un, un modèle orienté data qui s'appelle struct of array. Euh, et en fait, on va stocker toutes les valeurs de tous nos objects dans une seule array. Et en fait, on va étirer à travers elle pour récupérer nos valeurs. Et en fait, on dirait pas, mais grâce à ça, on a un espace contigu de mémoire qui contient toutes nos données. Et surtout, c'est rapide. Donc c'est pour ça que euh, là, on utilise une tout le forage inquiétez pas en vérité on perd pas de performance justement on en gagne et ça nous permet encore une fois de faciliter le trading donc là dans le query euh, je vais rajouter donc euh, mais euh, alors je sais pas comment s'appelle moi j'appelle ça inférieur et supérieur et euh, donc euh, à l'intérieur on va dire les types qu'on veut récupérer alors query vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de voilà il y a beaucoup de de <laughs> de alors je vais y arriver. De méthode euh, surchargée. Voilà, je, je, je me rappelle plus exactement du terme. Vous voyez qu'on peut mettre jusqu'à un critère, deux critères, trois critères, quatre critères, cinq critères, six critères, sept critères. Voilà, bon, après, là, au niveau de 7 vous voyez déjà, il commence à dire, ah, oh là, calme-toi frérot. Mais euh, nous, on va pas avoir besoin de plus que ça. Alors déjà, dans les types, on pourrait directement mettre, par exemple, alors là, ce qui nous intéresse pour les entités, c'est le local transform et euh, rotation cube euh, rotation speed component, c'est vrai qu'on l'a appelé comme ça mais encore une fois nous ce qui nous intéresse c'est le multithreading alors c'est pour ça que justement dans le query on va pas passer comme ça, on va utiliser des petits mocks, enfin des petits euh, des petites structs fait exprès alors c'est même pas, des... oui si c'est des structs euh, voilà tout simplement euh, qui sont refro et refrw qu'est-ce que c'est Ce sont des, des locks tout simplement. Je pense que ceux qui font du multithreading connaissent euh, bah forcément euh, les mutex, euh, les arcs, donc les types atomiques, euh, les euh, rw lock Et en fait, ici, c'est l'équivalent d'un RWLOC. C'est-à-dire on va prendre en référence, du coup, le composant qu'on va lui indiquer. Donc là, par exemple, pour le transform, bah, on va devoir écrire dedans. Donc on va avoir besoin d'avoir euh, read et write. Alors que si je prends RO, j'ai read only. Donc c'est-à-dire je pourrais seulement lire la valeur. De toute façon, on va utiliser les deux pour cet exemple. Justement, cet exemple, il est parfait pour le, une démo des, des deux types euh, en utilisation donc je vais prendre euh, je vais prendre r euh, ref rw donc read and write et qu'est ce que je vais prendre bah, c'est le local transform que je vais prendre en lecture écriture ensuite pour le, la lecture euh, bah, forcément pour la lecture seule moi mon composant euh, rotation speed bah, je veux juste lire les valeurs donc je n'ai pas besoin de réécrire dessus donc je vais juste prendre un ref read only voilà tout simplement et ensuite L'intérieur, je vais mettre mon rotation speed component. Voilà, donc maintenant on peut enfin utiliser nos valeurs et surtout on vient d'écrire un code multithreadé comme ça. Euh, voilà, alors, on, alors là pour le moment, on n'a rien fait de multithread. Hein. Le système il se lancera en single thread, il n'y aura rien euh, parce que tout simplement il faut utiliser encore d'autres choses. Mais voilà, on va rester coster quand même un minimum simple. Mais encore une fois, c'est des bonnes habitudes à prendre comme pour le time delta. Voilà, même si là on est encore en single thread. Vraiment sur le long terme, si vous faites un jeu euh, plutôt ambitieux, forcément vous serez obligé d'utiliser le multithreading et donc c'est bien de choper de, de bonnes habitudes. Alors là, vous voyez qu'on a utilisé var, mais certains n'aiment pas l'utilisation de ce mot. Alors moi, ce que je fais, parce que moi aussi, hein, en vrai, j'aime plutôt les langages typés où on voit directement les types euh, à la lecture du code. Vous faites alt entrée. Et vous faites use explicit type instead of var. Et là vous voyez que ça remplace directement par tout ce qu'on a écrit dans notre query. Et ça c'est vachement pratique parce que ça nous évite de recopier tout ça quoi. Donc ça c'est pour surtout les, les maniaques euh, Moi je vous avoue que là étant donné qu'on écrit tout à la suite du query, franchement on peut laisser var. C'est pas le c'est pas le problème. Donc enfin euh, là c'est vraiment parce que cette situation le permet. Hein, parce que dans d'autres situations forcément où c'est juste une fonction qui renvoie des valeurs et on n'a vraiment rien ici. Par exemple ça si ça n'était pas écrit justement. Bon là euh, j'aurais utilisé la méthode explicite. Mais là, on a déjà nos types qui sont indiqués ici. Donc, euh, moi, personnellement, je me permets de les séparer. Donc, ensuite, je prends mon transform et je, veux di je dis la façon dont j'accède aux données. Donc, soit en lecture, soit en écriture. Donc, là, moi, bah, forcément, vu que je veux éditer la rotation, ça va être en écriture. Donc, je vais faire transform.value rw est égal transform.value et du coup, là je vais devoir appliquer une rotation. Donc là je vais utiliser value Pourquoi Parce que la fonction, les fonctions de rotation que vous utilisez dans, dans votre, sur votre local transform, en fait, elles n'appliquent pas la rotation directement sur le local transform. Sinon j'aurais fait forcément transform.value Sauf que euh, non, la fonction elle fait un calcul et elle vous renvoie le résultat. Par exemple, je vais prendre rotate x. Je vais aller directement dessus et comme vous voyez hop il nous fait la petite euh, il prend la première donnée donc euh, notre euh, notre propre struct et il prend le euh, il prend l'angle qu'on va lui donner et ensuite il nous renvoie le résultat donc il prend les données point, rotate et il fait son calcul mais voilà on nous renvoie le résultat voilà donc euh, rotate this transformer round y, note que ça euh, donc euh, notez bien que ça ne modifie pas le transforme original, ça, re, ça renvoie tout simplement une nouvelle. Donc voilà, c'est dans la doc, de toute façon. Euh, voilà, quand vous n'êtes pas sûr, lisez juste la doc. Vous voyez, c'est directement écrit ici. Donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus, vous pourrez. Euh vous ne pouvez pas vous tromper, tout simplement. Et si vous n'êtes pas sûr, vous avez juste à, vous pouvez laisser en, en rw hop, vous faites point, rotate, faire la fonction qui vous intéresse. Vous passez juste normalement. Alors, votre souris dessus. Alors, justement, j'aimerais que l'intelligence apparaisse. Ah, il m'affiche pas la, la doc. Alors, forcément, normalement, vous avez la doc qui apparaît juste ici. Bon, ouais. Ok. Mais de toute façon, s'il n'y a pas la doc, c'est simple. Contrôle, clique dessus. Et on a directement la, la doc qui apparaîtra à l'intérieur. Ah oui, alors là, là vu que j'ai une erreur, il ne veut pas aller directement dessus. Bon, vous avez vu tout à l'heure, ça m'a amené directement sur les méthodes et j'avais directement accès aux commentaires. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir la, la doc en ligne. Hein, C'est pas exclu. Donc moi là, forcément, étant donné que je n'ai pas l'intérêt euh, de prendre l'écriture, je vais faire value hero.rotate. Donc là, je vais d'abord faire x entre parenthèses. Donc euh, bah, je vais prendre notre composant rotate. Point. Donc là, pareil, j'accède à, à mes valeurs en, en lecture seule, hein, parce que je n'ai pas besoin de les modifier. Point Rotation Speed. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est x fois, forcément, hein, on n'oublie pas qu'il ne faut pas faire laguer notre petit... Euh... Euh, notre, notre petit système. Alors je vais le rename parce que c'est vrai, je sais pas pourquoi je l'ai appelé time, mais c'est plus intuitif de l'appeler delta time fois delta time. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça sert le delta time, je vous conseille surtout de regarder des tutos de base d'Unity parce que c'est surtout pour ça que ça sera fait. Et là, vous voyez que par exemple, si je devais faire ça comme ça, on fait une triple modification. Ce qui est pas ouf. C'est pour ça que on va plutôt utiliser une une fonction un peu plus convenable pour euh, justement notre 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 rotation. Euh, alors là je vous avoue que je ne sais même pas Là c'est totalement au pif hein. euh, Enfin c'est pas totalement au pif C'est tout simplement, c'est simple S'il y a une rotation, une fonction pour tourner euh, sur X, Y et Z Il y a forcément une fonction pour tourner euh, en X, Y, Z Et pour ça justement là vous voyez qu'on a une fonction rotate Mais qui demande un quaternion Bon là je vous avoue que c'est de la recherche sauvage hein, parce que j'avais pas préparé ça non plus. Hein. De base je voulais juste faire tourner sur un angle, je me suis dit tiens ça serait marrant de faire tourner sur trois angles. Et donc là, euh, bah justement, je regarde justement les... les. Euh, les, euh, les... Comment ça s'appelle Les fonctions, oui, utilitaires de... de Quaternion. Et euh, nous ce qui va nous intéresser... Alors je crois que c'est Euler Angle, voilà, qui transforme donc euh, nos angles en Quaternion. Alors deprecated, tiens, alors justement, on va aller dessus, on va aller voir... Euh... Ah, je peux pas aller dessus Ah, si On va aller voir. Euh, voilà. J'allais dire, on, a, on va aller voir euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et lui il demande plutôt d'utiliser Gold instead. Euh, because it uses radiance instead of degrees. Ok. Ok, donc euh, du coup, on a une, une variable. Ah, oui, alors du coup, on va devoir créer un quaternion. Euh. Alors pour éviter les appels, moi ce que je vais faire plutôt c'est que je vais faire Quaternion Rotation. Vous voyez c'est vraiment de la... Là on fait vraiment de la recherche à la va-vite. Hein. Et on va faire Quaternion. New Quaternion et je suppose qu'il y a du coup un constructeur prévu à cet effet. Si on ne peut pas utiliser le layer angle, euh, ça m'étonnerait qu'on qu ne puisse pas, euh, pas de, de constructeur prévu à cet effet. Euh, donc forcément le identity qui représente les, les valeurs de base. Euh, alors, tiens, bah, on a le une Angle qui retourne une, une représentation de la rotation. Euh, mais du coup, nous, ce pas ce qui nous intéresse. On passera directement notre rotation ici. Hop, rotation. Alors, pourquoi je le crée en haut de la boucle et pas à l'intérieur Parce que ça nous évitera une, une recréation euh, sans arrêt de la variable à l'intérieur et... Euh, on va dire que c'est surtout pour de l'optimisation, dans le sens comme ça on utilise une seule variable et on aura juste à la modifier selon notre bon vouloir. Donc euh, alors par contre, est-ce que mon air angle, je l'ai en get set Ok. Alors est-ce que... Ouais, je peux aussi set air angles. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est comme ceci. Donc ça va être rotate. Alors je vais ouvrir plutôt les parenthèses comme ça parce que ça va être un petit peu, enfin, ça va être un petit peu fat euh, vu tout ce qu'il y a. Donc point. Uh, ah oui, alors là on est sur x, donc rotation speed x euh, fois delta time. Alors ça, euh, j'avoue que c'est un peu lourd de recopier tout le temps la même chose. Je, je me demande si on peut pas directement multiplier le... Ah, si, si, on va faire ça. Attendez, je me dis en fait, il y a aussi une autre méthode pour ça. On met les angles, et une fois qu'on a mis les angles, si on va appliquer directement le delta time directement, bon, même si c'est pas obligatoire, euh, ça vraiment, je, 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 sens, je, je pense pas que ça impacte euh, tant que ça les choses. Bon, euh, c'est juste pour éviter de recopier quelque chose de trois fois. On fait Euler delta time. Étant donné que maintenant on a défini les angles, voilà, on peut se permettre de. Ah, il nous demande une quatrième valeur. Ah non, c'est juste que, oui, il n'y a pas de parenthèse. Ah, deprecated. Use quaternion Euler. Non, mais tu vas me dire qu'il y a encore une... En fait, on, on passe de... On passe de... De... Euh, de fonction deprecated en fonction deprecated. Ok. Euh, use quaternion... Ok. Instead. Alors, ça veut dire qu'on a directement, du coup, une fonction utilitaire Ok, donc au lieu d'avoir l'Euler, on a Euler tout court. Oui, bon, bah ok, ça aurait pu aller plus vite si tu me l'avais dit ça. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça comme ça, hop. Et étant donné que, bon, bah là, pour le coup, on va éviter de recréer un quatornion parce qu'on n'a pas l'utilité grâce à, à la classe de calcul, on va faire fois delta time. On va l'ajouter directement à la fin. Hop, delta time et ici fois delta time aussi. Alors ça c'est dommage que il y a un truc que j'aime bien dans Rust, c'est qu'on peut mettre voilà des parenthèses comme ça même s'il y en a plus besoin. C'est dommage qu'on puisse pas le faire ici en en C# même c'est juste de la qualité voilà, c'est du confort de dev. C'est du chipotage, c'est pas, pas une vraie critique ce que je dis. Enfin, si, c'est une critique, mais bon, c'est voilà, c'est de la qualité de vie. Euh, et du coup, voilà, là on va appliquer notre rotation. Bon, euh, du coup, on a navigué de Euler Angle qui nous disait, bon, c'est déprecated, donc du coup, utiliser la variable Euler Angles. Donc, on a créé notre Quaternion, et dans notre Quaternion, il disait, ah, c'est déprecated, utiliser Euler. Oh là là, on a, on a navigué de fonction déprecated en fonction dépre, euh, déprecated. Donc là, maintenant, on va pouvoir tester. Voir si notre fonction fonctionne. Donc là, notre système ce qu'il fait c'est on récupère le delta time, on l'applique avec un calcul en fonction de la rotation et de la vitesse qu'on a définie, et euh, bah, on va pouvoir essayer. Donc déjà, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder forcément hop, mon entité, voilà, elle a ses valeurs aléatoires, je regarde. Et voilà, on a bien notre, notre cube qui tourne, tout simplement. Par contre, il tourne très lentement. Euh, on va peut-être mettre des valeurs un peu plus élevées parce que c'est pas ouf. Euh, mais par contre, il tourne. Alors, par contre, on va essayer un truc pour voir si on a bien fait les choses. Forcément, c'est que d'abord, je vais désactiver deux angles. Donc là, hop, là par exemple, je vais lui dire tourne seulement en. Ah, tu ne veux pas marcher. Ah, j'ai Unity qui a, a bugué deux secondes. Hop, là aussi, je vais lui dire juste de tourner sur un seul angle et on va voir. Alors, n'oubliez pas de refermer votre scène parce que sinon, des fois, il peut arriver que ça fasse des, bah, des dingueries. Ah, alors par contre, oui, c'est vrai, combien est-ce que tu as mis en speed Parce que si tu nous as mis proche de zéro, voilà. <laughs> si tu nous as mis proche de zéro, ça va pas le faire. Mais vous voyez qu'on a bien notre cube qui tourne en Y. Donc, ça, c'est les valeurs quatornions. Hein. La quatrième, vous en préoccupez pas. Mais on a bien notre XYZ et on voit bien que notre cube y tourne. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, oui, il euh, y a juste un petit problème c'est que tu ne tournes pas assez vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un peu de punch. Et on va rajouter de la vitesse. Donc euh, je vais plutôt dire moins 50. Ouais ça, ça va être extrême par contre 50. Hein. Enfin ça va être selon la valeur. Euh, voyons voir qu'est-ce que tu as mis. Moins 49. Ouais donc là on devrait voir tourner quand même. Ok. Ouais ça tourne mais c'est relativement lent donc pour moi il y a un petit problème quand même. Hein. Et surtout je sais pas si vous avez remarqué mais il tourne du même côté. Que ça soit positif ou négatif, j'ai l'impression. Donc, euh, petite erreur dans les calculs. Si ça se trouve, il y en a, ils sont en train de te dire « Mais putain, faut pas utiliser Quaternion, euh, euh, Euler... Euh. » Alors, je rappelle, hein, la méthode de d'Euler, c'est une méthode pour transformer une rotation en, en angle, tout simplement. Sauf que euh, Euler, je crois qu'ils utilisent des radiants, et c'est peut-être pour ça, en fait. Alors on va aller voir oui, retourne une rotation en degrés. OK. Ouais, donc non, c'est bien en degrés. Alors par contre, ouais, je trouve vraiment que ça tourne relativement lentement. Donc vous savez quoi On va faire un petit peu de debug. En fait, ce que je vais appeler du debug, c'est juste on va mettre tout ça en commentaire. Alors, je crois que c'est contrôle cassé. Voilà, contrôle cassé. Et ensuite en dessous, on va refaire une rotation normale donc point value rw est égal transform.value euh, bah, pas Y, et en fait là ce que je veux voir C'est est-ce que vraiment euh, j'ai cassé quelque chose Avec mon quaternion, euh, ou est-ce qu'il y a Quelque chose qui fait euh, planter le tout Ça se trouve oui, hein. euh, speed Y, euh, point euh, Non fois, pardon, delta time Ok, donc là on va Essayer, et si ça tourne plus vite euh... Ouais non parce que là je trouve que ça tourne relativement pas vite Quand même, hein. c'est un peu bizarre Ah voilà Là ça tourne Ouais, donc euh, on a un petit problème avec euh, notre euh, classe de l'air là. Alors attendez, est-ce que j'ai fait une bêtise X, Y et Z. Ah non, non c'est bien ça, c'est bien ça. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que ça passe CTRL K euh, U. Ouais, c'est ça. CTRL K U et uh, CTRL K C. Alors là, du coup, on a une rotation qui n'est pas bonne. Retourne une rotation en degrés, ouais. Euh, n y degré autour de l y axis appliqué dans cet ordre. Retourne une rotation qui rotate z degrés autour du z x degrés autour de y. Enfin z x y. Ok. Ouais non non je vois pas du tout ce qui pourrait le le freiner. Alors du coup je vais essayer autre chose. Euh, je pense savoir en fait. Je pense que c'est juste moi qui est débile. Ouais. Je pense que c'est moi qui est débile. C'est le quaternion. faut mettre le delta time. Voilà, alors oui, il va falloir utiliser une fonction utilitaire, mais par contre, je me rappelle plus du tout laquelle que c'est. Euh, je pense pas que c'est dans Quaternion, je crois que c'est dans Math. Point. Mule. Euh, ah non, c'est peut-être. J'allais dire, c'est peut-être le produit en croix. Quoi... Oui, non, je suis nul en maths. Il y a, il y a, il y a des gens qui vont m'insulter. Non, non, je crois que vraiment, il va falloir passer par Math. Alors, par contre, il faut utiliser le Math, oui, de Unity Mathematics. Et là, on est sur le Unity Engine. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui. Ok, rotate. Et moi, ce que je veux, c'est multiplier un quaternion. Je sais pas s'il va l'avoir dans ses surcharges. Ok. Et là, je vais dire Delta Time. Ok, non. C'est l'heure de la doc. Ouais, là, 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 va falloir que je regarde la doc. Ok, donc on va aller chercher sur Google. Unity, quatornion. Bon, ça, c'est des questions de base. Euh, delta Time. Delta quaternion, oula. Ok, quaternion, gn gn gn, orientation. Euh, Unity rotate. Euh, ça serait con cool quand même d'appliquer un x y directement. Oui, la, la, solution, euh, la solution, la solution la plus simple, ça serait d'utiliser directement rotate x y et z, mais ça serait un peu, ça serait un peu. Euh, ça, ça serait méthode gros porc en fait, c'est ça le problème. Euh, renvoie une rotation en degrés. Ah non, non non, je crois que c'est une connerie là. Ah non, 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 non bien c'est bien. Quoi, il nous renvoie bien un quaternion à partir de nos valeurs en degrés et tout. Je ne cache pas que là, je sais pas du tout. Euh, Unity quaternion, euh, quaternion rotation, time delta. Ouais non, non lui il va pas nous aider spécialement Alors oui j'utilise Bing mais c'est parce que je n'ai pas trop le choix euh, Pour des raisons euh, Je vais l'enlever dans pas longtemps Mais ce moteur de recherche il est vraiment pas ouf <laughs> Désolé les probing Ok 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 bah, Je vous avoue que là je suis, je suis paumé euh, En fait je suis en train de me dire Si euh, ça se trouve c'est juste moi qui suis un peu bête On va aller voir CTRL F. Alors par contre je ne sais pas pourquoi il me l'affiche en blanc maintenant. Euh, ce que je veux voir, c'est un truc tout con. C'est que si ça se trouve on a d'autres surcharges de la méthode rotate. Voilà. Euh, et que si ça se trouve, il y en avait une qui correspondait mieux. Alors non pas du tout. Alors justement on va aller fouiller un petit peu comment ils font. Alors là, vous voyez que le rotate de base, euh, voilà, alors lui aussi il ne modifie pas. Hein. Euh, mais c'est trop bizarre. Euh, je pense à Ah, oh, je suis trop débile. Je... je sais pourquoi. Ah, je suis trop débile. Je sais pourquoi. Transform. value. rotation. Est-ce que j'ai bien un quaternion? Ouais, j'ai un quaternion. Du coup, en fait, je pense, il faut juste les additionner. Bah oui, parce que là, je crée vraiment un quaternion de zéro. En fait, je ah non non, bah je prends bien le celui de base quand même. Attendez, je dis pas de bêtises. Oui oui non je c'est vrai que je prends bien celui de base avec rotate bon là je suis vraiment paumé là pourquoi est-ce que j'ai euh, un problème là-dessus sérieux euh, On a notre méthode Rotate T'es pas gentil hein rotate hein Rotate qui euh, nous retourne un type T voilà c'est ouf ça euh, var transform alors transform.position est égal ouais bon bah, ça on s'en fout transform.scale est égal audition est égal multiplication de la rotation voilà donc euh, oui c'est les c'est euh, c'est pas vraiment comme les matrices mais du coup oui on passe par la multiplication ok mais en fait ce que je comprends pas c'est ouais c'est ça en fait quatornions alors, on utilise... Ah, ah d'accord, je crois que j'utilise pas la bonne classe. Parce que là on utilise la classe de Unity Engine, c'est ça Oh putain, merde. On n'utilise pas la bonne classe. Alors si c'est ça, vraiment je suis... Je, suis... je suis débile. Ah et puis en plus il y a déjà des méthodes. Ah <laughs> oh, putain. Ah quand on se fait chier. Par contre non vraiment je vais essayer le, le LR parce que bah, pour moi euh, je suis là en mode... Non non c'est bon ça. Attendez... Euh... Je vais quand même essayer le LR. Du coup, je vais remettre le Delta Time. Oui, non, mais vous savez, c'est pas du tout préparé. Hein. Moi, je fais ça, euh, je fais ça euh, sur mon temps libre. Hein. Donc, euh, je vous cache pas que. Alors, j'ai fait des tests, mais pas aussi sauvages. Et surtout, je... c'est vrai que je n'ai pas tenté les trois rotations. Ce que... Alors, oui, encore une fois, on aurait pu utiliser Rotate, X, Y et Z à la suite. Mais c'est vraiment une méthode de gros port. Euh, alors que si on peut faire tout d'un coup, ça irait beaucoup plus vite. Et on modifierait beaucoup moins les valeurs. Ok. Ok. Et bien là, du coup, ça fonctionne. Ok, donc c'était le quaternion de... Putain. En fait, le truc, c'est que... Euh... Alors, ça change pas non plus énormément de choses, mais quand on utilise le quaternion du Unity Engine et le quaternion de... de, 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 de... de... Comment ça s'appelle euh, de, de Unity Mathématiques, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je l'ai même dit quand on a utilisé la classe de maths. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, forcément, entre euh, Unity's Entities... Et euh, Unity Engine et oh là là c'était juste ça non mais je vous jure quoi Pfff. Non les erreurs euh, Les erreurs à la con euh, Ok donc là on est une rotation moins 43 on va peut-être peut euh, Ouais voilà On va peut-être essayer de, de faire une petite rotation un peu moins vite moins 30 Ok donc là il est censé tourner sur la gauche Et on voit bien que c'est ça hein. Il tourne bien sur la gauche hein. Euh, regardez alors pour vous montrer qu'il tourne vraiment sur la gauche on va le ralentir. 8. Voilà, regardez c'est pas beau ça Du coup on va remettre des valeurs aléatoires Alors par contre je vais juste mettre 10 parce que sinon ça va être un peu ça va être un peu lourd Enfin ça va tourner un peu trop vite Je fais n'importe quoi Mais ouais mais le double clic il marche mal euh, dans l'éditeur Oui je me trouve des excuses écoutez Faut bien ¡Hala oh, la, 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 la. Ok, bon là on a juste fait un truc débile hein, mais c'est voilà c'est stylé, c'est marrant, c'est cool. Alors là vous voyez qui tourne mon cube, hein, mais n'oubliez pas fermez quand même votre scène, c'est mieux pour votre survie. <laughs> enfin ça éviterait surtout des bugs qu'on pourrait euh, se passer alors que c'est juste qu'on a fait une euh, mauvaise manip parce qu'on a oublié de fermer la scène. Bon en tout cas voilà on a notre cube qui spawn euh, tout simplement et euh, qui tourne. Voilà donc c'est tout simplement euh, relativement simple. Euh, Je vais arrêter le live maintenant tout simplement parce que euh, il aura déjà été très long. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, préparer une autre démo, mais là, je vais vraiment la préparer parce que, bon, euh, pour éviter que on ait à 45 minutes de vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va faire un système qui fait vraiment spawner une tonne de cubes qui tournent et euh, essayer de voir comment justement on peut, euh, on peut rendre ça multithread pour optimiser les performances. Mais déjà, là, quand on tourne ici. On voit qu'en termes de performance, voilà, je suis à... Bon, c'est un peu normal, hein, on est dans l'éditeur. Je suis à quelques, quelques FPS. Là, je suis à 360. Ouais, on arrive. Il ouais, n'y a pas vraiment de moyenne. Euh, je vais activer la V -Sync. Alors ouais, depuis le nouvel éditeur, je ne sais plus par où il faut passer. Voilà, c'est ici. Donc là, voilà, avec la V Sync. Alors d'ailleurs, si je ne l'active pas, j'ai cru voir un changement. Non, j'allais dire, oh putain, j'espère que. On a bien mis le Time Delta. Justement, voilà. Encore une fois, le Time Delta, il sert à ça. Justement, il sert à... Si on a un changement de FPS euh, ou qu'il y a des light spikes ou autre, que notre cube tourne toujours bien à la même vitesse. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est bon. Ça fonctionne du tonnerre. D'ailleurs, si je mets de l'anti-aliasing... Alors, je ne peux pas mettre le TAA parce qu'il va me dire qu'il y a le SMAA qui est toujours... Euh... Alors non, c'est le MXAA, je crois. Voilà. Euh, le MSAA, voilà, qui est, qui est activé dans le, le Render Pipeline. Euh... Ouais, d'ailleurs, attendez. Hop on est sur du high fidelity opaque. Ok. Je sais même pas où il est activé. Euh, voilà, Et MSAA. Voilà, effectivement. Et du coup... Ouais, on va pas... Je vais laisser les paramètres par défaut parce que, encore une fois, le but c'est pas de, de tripoter, d'améliorer les graphismes d'un cube. Mais bon, voilà. Euh, ouais, on sera bien... Euh, enfin, moi, personnellement, je me serais bien amusé avec, euh, avec ça. Bon, vous voyez que c'est juste un cube qui tourne. Voilà, maintenant, le projet sur le long terme, c'est vraiment de faire un système qui tourne longtemps. Alors, on va juste terminer cette vidéo, ce stream, avec une dernière chose, c'est l'optimisation. Mais une optimisation toute belle. Toute bête. Donc là, on va rechercher notre système, donc, qui s'appelle euh, Rotation... Euh, Cube System, voilà, donc il me l'a trouvé directement, et je vais vous montrer une chose. J'ai désactivé la scène, et vous voyez que si je regarde les systèmes, notre système il est là, et en plus il tourne. Mais forcément, étant donné qu'on n'a rien. Euh, pour euh, vraiment euh, qu'il soit utile en fait enfin, c'est inutile de le laisser tourner pour rien vous voyez qu'en plus, bon il consomme pas des masses non plus mais euh, il tourne dans le vide et pour rien, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire justement, parce qu'à chaque fois forcément on fait un appel de query, c'est un, un peu lourd donc pour optimiser les perfs, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle onCreate voilà, donc toujours dans notre iSystem, hein, tout simplement voilà, donc, euh, alors je sais pas pourquoi il me met en blanc des fois comme ça, voilà, donc là on a bien onCreate et notre onCreate à l'intérieur, ce qu'on va mettre. Alors on n'oublie pas aussi le ref system state et tout. Euh, qui vous permet ju justement, on va l'utiliser. Euh, qui nous permet un peu de gérer justement ce système. Et là c'est ce qu'on va faire. On va faire state. require for update. Et là, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut. Ça veut dire, il euh, y a plein de fonctions pour mettre des fonctions en mode. Euh, voilà, euh, je veux que mon système il s'update dans ce groupe parce que vous, je pense que vous avez peut-être vu vite fait. Mais il y a un système de groupe. Alors, attendez, hop, voilà. On a euh, des groupes en fait qui nous permettent de, de, de gérer un peu mieux nos systèmes, mais c'est surtout nous ce qui, vous a, ce qui va nous intéresser, c'est justement l'update et la fixed update. Étant donné qu'on n'est pas en mono behavior, voilà, on n'a plus de fixed update. Et en fait, le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser le simulation group. Pourquoi Parce que le simulation, le simulation group, c'est bah, justement le groupe qui sert à update la physique et En fait, la physique, forcément, elle a toujours euh, son système à lui pour enfin euh, avec une boucle fixe pour euh, update la physique. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser, mais plus tard. Euh, mais bon, pour faire tourner un cube, c'est pas ce qui nous intéresse parce que malgré tout, sur le visuel, on veut que ça soit lisse, on veut que le cube tourne fluidement, donc on laisse euh, en tourner en fonction des FPS. Donc, require for update, et on va dire rotation, on va mettre nos, notre, notre condition en fait, et on va mettre voilà notre rotation speed component. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de dire On vient de dire que notre système pour tourner pour s'allumer en fait il ne peut que s'allumer que si dans la scène il détecte une entité qui a au moins le rotation pin component et si aucune alors là il est en train de charger s'il n'y a aucune de nos, euh, de nos entités qui a un rotation speed component, c'est simple, le système ne démarrera pas. Et en fait, c'est ça, le, ce qu'on qu vient de faire tout simplement, c'est un système d'activation-désactivation. Et en fait, alors ça dépend des cas, hein, là, bon, on on, ouais, on est sur une petite condition pas très coûteuse en performance, qui on fait juste un query tout banal, on n'a même pas mis de conditions extrêmes comme avec, sans composant, enfin, on n'a pas mis un query euh, qui est ultra exigeant euh, sur euh, les conditions. Et du coup, en vrai, on pourrait le laisser tourner le système. Mais voilà, il, y a, il arrive parfois que dans nos systèmes, on va avoir des conditions très strictes où on va, euh, voilà, faire euh, à quelques calculs un peu lourds. Et à ce moment-là, bah, peut-être qu'il serait intéressant de le désactiver lorsqu'on n'a pas besoin de faire ces calculs lourds et euh, justement de, 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 de checker justement s'il y, y a besoin de, fin de faire tourner le système dans le vide. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va retourner ici. Je vais remettre rotation. Ah mince, qu'est-ce qui me fait? Là, je vais allumer et là, vous voyez que mon système est bien là, mais qu'il ne tourne pas. Et voilà, tout simplement. Et ici, je vais le réactiver. Hop, et mon système s'est réactivé. Tout simplement. Et on peut voir notre petit cube qui tourne. C'est pas beau ça. Voilà, donc ça, c'est de l'optimisation de base. C'est du confort, surtout, pour le coup. Euh, là, pour ce système, il n'y aurait même pas l'utilité véritablement de le faire, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et surtout, mon bah là, comme vous pouvez voir, là, pareil, hop, je rééteins mon, mon entité. Alors, vous inquiétez pas, ça, c'est juste l'éditeur qui fait, oh là là, ça frise. Alors, oui, vous ne voyez pas, mais j'ai l'éditeur qui, qui frise un petit peu. Euh, tant que ce n'est pas une erreur persistante, donc ça veut dire, hop, qui ne se clire pas pour le moment, ces erreurs, vous pouvez euh, totalement vous en foutre. Et là, voilà, si je désactive, ça se redésactive. Si je réactive, voilà. Donc, euh, ah oui, alors, comme je disais dans l'épisode 1 dans le premier tuto, euh, essayez quand même de voir d'où vient le problème. Vous voyez que là on a beaucoup de mémoire, oh memory leak, machin. Bon, je vous cache pas, c'est pas des vraies erreurs. Encore une fois, c'est juste l'éditeur. Voilà, quand on l'allume ou quand on l'éteint, il frise un petit peu et là il est là en mode, oh mon dieu, des erreurs. Et là vous voyez bien que l'erreur vient de Unity Engine, c'est pas vous. Mais vérifiez bien que la source, ça ne soit pas vous, parce que si ça se trouve, ces erreurs de mémoire, ça peut aussi être de votre côté. Si vous utilisez les jobs, ça peut être votre job alloc qui est mal formulé ou mal utilisé et euh, du coup voilà, vous avez véritablement un problème de mémoire sauf que là on voit bien que c'est entities graphique, c'est juste l'éditeur. Voilà, hop, quand j'allume, oh, il y a un micro lag. Oh mon dieu. Alors non, là c'est quand j'active ma scène entities. Euh, bon, là pour le coup, là, il lag pas, vous voyez, hop. Alors je crois que c'est ouais, c'est quand je suis dans le système qui lag. Ouais, voilà. Ouais, c'est c'est vraiment c'est que dalle. On s'en fiche. Pour le coup, on peut l'éviter. Donc voilà, c'est la fin un peu de, de ce petit euh, cette petite démo de Unity dot. Bon, il y aura eu euh, quelques petits problèmes, euh, tout simplement parce que je n'avais pas préparé, mais bon, vous voyez que c'est pas très grave. Hein. Pff, ouais, on n'est pas sur un studio de dev ici, euh, de ultra quali. <laughs> ici, c'est vraiment, vraiment le jour le jour. Hein. Mais euh, je pense qu'on fera beaucoup plus de streams comme ça, en mode euh, on fera des projets pour. Euh, tout simplement bah, des, 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 des petits jeux, euh, pourquoi pas des concepts, des protos euh, que je pourrais justement faire en live. Là en ce moment je vais vraiment m'attarder sur DOTS parce qu'il y a un véritable potentiel, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est faisable justement parce que moi personnellement je trouve que les showcases d'Unity ne permettent pas de voir les véritables, euh, la véritable utilité de DOTS. Donc on va voir jusqu'à où justement on peut amener le, le système et est-ce qu'il y a vraiment un... Un... est-ce que DOT c'est vraiment production ready euh, et c'est justement ce qu'on va voir pour le moment Unity est quand même en mode bon euh, ne faites pas de jeu avec voilà enfin parce que voilà <laughs> ils sont pas très sûrs d'eux mais bon ça marche normalement bon voilà, on, on verra ce que l'avenir nous réserve. Le prochain objectif, ça va être, comme je vous ai dit, faire on va faire spawner plein de cubes, on va les faire tourner, bon c'est un truc tout con, mais déjà on va voir les performances. Est-ce qu'on a un véritable gain ou est-ce que euh, bah, finalement c'est mieux que toujours d'utiliser l'éditeur par défaut Parce que j'ai vu quelques critiques euh, de youtubeurs anglophones qui disaient que malgré tout les game objects restent plus puissants. Moi je pense que euh, c'est peut-être la manière dont il est fait apparaître qui était le problème, mais c'est pour ça qu'on va faire ces tests en live. Aujourd'hui, voilà, on faisait juste une utilisation simple de Unity. Cs. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Euh, J'espère que ce stream vous l'aurez aimé. Euh, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Euh, n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur Unity. Dots. Faut savoir que, ouais, malheureusement, il y a quelques documentations, mais Unity. Dots, ça change tellement vite. Euh, que bah, malheureusement Unity euh, j'ai envie de dire c'est un peu connu aussi pour le fait qu'ils ne mettent pas à jour leur doc donc ça c'est un, re... un peu chiant parce que justement c'est la seule source d'information qu'on a et forcément les tutos sur Unity Dot deviennent vite obsolètes étant donné que euh, bah, forcément ils font tout le temps des mises à jour, des changements euh, ils ont revu leur modèle d'ailleurs de base on ne pouvait pas query les entities euh, de cette manière là on devait passer par l'entity manager ensuite on ne pouvait plus passer par l'entity manager on pouvait passer par un autre système, ensuite il y a le système API, là justement, qui est apparu, enfin vous voyez, il y a toujours des changements, mais c'est bien, ça prouve qu'Unity apprend ses erreurs, il, il corrige, il rectifie, et c'est très intéressant, euh, ça promet pour la suite. Donc sur ce, je vous laisse, tout le monde, salut à tous.